Salut à toutes et à tous, c'est Kobagourou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Conglomerate 451. Je fais suite à la vidéo de la semaine dernière de présentation. Et aujourd'hui, on va attaquer une mission. Donc vous voyez que les autres zones seront débloquées à partir de niveau 10 de réputation, 20, 20, 30 et 30. Donc, tuer la cible. Trouver et tuer la cible. Cette région est contrôlée par une équipe armée. Libérer la région en tuant le leader. Réputation 5, 10 000 crédits, tech 3005, c'est pas mal. Tout se passera très bien. Jouer la sécurité. La ville du conglomérat est un endroit dangereux. Donc, je peux pas changer la formation d'équipe puisque j'ai 3 personnes. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve l'aspect graphique, décor, la pluie, cyberpunk, tout ça très très intéressant. Alors, donc vous voyez, hein, les requins rouges, donc ici on peut pas passer. Ah. T'es qui toi? Waouh! Excellent! Bienvenue dans la boutique de Kraven. Ici vous pouvez trouver les meilleurs ITP du secteur 451. Excellent! Ah, c'est super! Donc si vous voulez éviter le combat, on passe par ici, par exemple. Non, c'est pas ici. Et il y a une groupe là-bas aussi. Requin rouge. Eh bien, dites-moi, ils sont partout. Donc vous voyez, il y a les points rouges qui apparaissent sur la carte. Oui, il y a le nombre de tours. Bon, moi, je m'en fous, moi. Ah, ça, je vous avoue que je m'en fous un peu beaucoup. C'est quoi ça? C'est un marchand? Bah c'est des logiciels. Waouh. On a des boutiques. C'est cool. Alors. Frappe rapide. Électrocution. Impulsion. C'est quoi? C'est des cyborgs ou pas? Ah merde. Oui, cyborg. Raté! Merde! Alors j'en ai un qui fait explosion, donc il va prendre les deux. Voilà. Ils ont un coup de patte, un coup de tatane, hein. Waouh! Ah, il va mourir. Qu'est-ce que j'ai? Tir précis. Chance de coup 62, 82, 87, 82. Allez. Donc l'autre va mourir. Voilà. Et lui, bah, il m'a raté. Il m'a raté. Allez, dans la tête. Oh putain. Mais t'es nul. C'est une blague. Putain, il a la tête dure le mec, oh.
Donc l'intérêt de faire péter ces équipes, c'est tout ça. Évidemment, c'est pour gagner des ressources, de la tech, etc., etc. Alors on va essayer de les prendre à revers. Vous attendez de moi que je vous commente? Vraiment? Je peux me contenter d'un silence solennel? Alors on avait quoi? C'est tous des cyborgs. Hein. Explosion. Explosion. Et lui, on fait un petit feu d'artifice incendie. Putain, j'avais déjà fait péter un. Ah oui. Arme améliorée. Cible soit. Donc là ils vont m'attaquer. Change de coup critique, vision, etc. etc. Petit incendie. Voilà. Ah ils tapent, hein. Ils enlèvent du bouclier. Hein. Petite électrocution. Non, allez, frappe rapide. Allez, dans le corps. Et elle, on lui fait. Bon, allez, ils sont. Ouais, hop, capote. Bye bye, merci. Ouais, ils m'ont pas donné de loot, hein. On va essayer de voir si on peut les contourner. Encore un marchand. Ah, c'est un implant. Lui, il vend des implants. Ouh. Et j'ai un peu de sous maintenant. Qu'est-ce que c'est? Slick. Non, mais j'ai pas besoin de pneus. Bah, fallait bien rigoler un peu, non? Bonus de piratage. Bon, on verra plus tard, hein, tout ça, les implants, machin et tout, on verra plus tard. Uh-oh. Uh-oh. Il y a du monde. Il y a des hôtesses. Voilà, j'ai trouvé l'ascenseur. Et eux, on va se les faire. Alors, bon, ben, on prend hein, un cyborg. Ah, il y a une humaine. Il y a deux cyborgs. Ça, c'est un skill qui est top. Incendier. Explosion. Alors, membre de l'escouade, ça c'est top. Oh oh, oh oh. Hey! La demoiselle, elle frappe! Vise les yeux, boum! D'accord, d'accord. Oui, oui, j'ai compris. Les yeux, ça va. Les yeux, toujours les yeux. T'es contente? C'est lui qui a les... Alors, j'ai mis des bonnes compétences, mais la frappe rapide, elle est pas top du tout. Il a pas un... Ouais, les yeux, t'es contente? En plus, je rate. Bah, bravo. Non, mais vous foutez de la gueule du monde, là. Bon, allez, on va le faire cramer. On est venu, on a vu, on a botté des culs.
Désolé. Les filles, là, elles m'attaquent pas, hein. Salut, beauté. Par contre... Eh oui, je vous l'ai dit, les amis, hein. Faut tout gérer. Putain, il va falloir que je recharge leur batterie, hein. Bam, trouver et tuer la cible. Le casier de la cible est si long qu'il a sûrement sa place dans le livre des records. C'est comme si tout le monde en avait après nous. C'est peut-être à cause des combis fluo, j'ai dit ça, je dis rien, hein. Oh, elle va faire mal son épée. Burn, baby, burn. Ouh, je savais qu'il faisait des dégâts, ces deux robots. Regardez ça. Poison. J'aurais dû cibler les... Parce qu'ils font vraiment beaucoup de dégâts là, hein. Les radiations, ça leur fait rien, c'est des robots. C'est marqué des androïdes. Ouh. Emblème pro. Bon. Y a rien d'autre. Y a rien d'autre. Et ça m'a l'air d'être encore un labyrinthe de dingue et on va tomber encore sur des méchants. Thank you.
Ça vous permet de voir apparaître sur la carte des petits trucs à chercher. D'accord, l'objectif de mission doit être là-bas, mais ça n'empêche pas qu'on peut tout visiter. Et c'est cool, hein? On peut même visiter les cuisines. Oui, pourquoi ça vaut le coup de tout chercher, de tout regarder? Si vous n'avez pas regardé mes let's play sur Starcrawlers, jetez-y un œil, hein, parce que c'est un super jeu. Hop, hop, hop. Oh oh! Oh oh! Ouh, ça va faire mal. Alors, là, vous voyez, ce sont des androïdes. Comment cible membre d'escouade? Mais... on va la cibler, elle. Parce que lui, il tape fort. Aïe, 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 ils en ciblent le même. Il cible que lui, c'est normal. Je me sens obligé de vous rappeler qu'au combat, vous pouvez utiliser l'action spéciale piratage sur les ennemis. Ah ouais, merde. Mais bon. Je suis un peu limite en termes de batterie. Donc, pour battre le boss là, ça va être dur. Ça va être très très dur. Une clé magnétique. Mais putain, comment je fais moi pour couper? Merde, vous faites chier, c'est pas vrai. Ah, ce truc, j'y arrive pas, c'est nul. Vous êtes pénible, hein. Faites des choses plus simples, merde, dans les jeux. Oh. Bon, c'est un cyborg. Allez, on va... Tant pis, je passe un tour, mais il faut que je booste les compétences. Oula, le mec il frappe très très fort.
Putain, il est insensible aux radiations. Hein. Voilà. Eh oui, vous comprenez pourquoi il faut continuer à explorer ? Vous rigolez, non ? Alors, piratage 28, 10, 17. Bon, ben, j'ai pas trop le choix. Alors, dans le panneau inférieur droit, vous trouverez la liste des codes que vous devez trouver pour accéder au système. Là, dans le panneau inférieur gauche, vous trouverez les le journal de codes du système. Identifiez les bons codes et sélectionnez-les. Oh là là. Ego 32, 17. Dans un panneau supérieur droit, vous verrez le temps qu'il reste pour compléter le piratage. Oh là là. Ah, ils sont allés loin, hein. Je trouve qu'ils ont poussé vraiment très très loin à ce niveau-là. Je venais à peine d'en créer, j'avais encore un écran noir et blanc et que je forçais. Bon, j'ai pas eu le temps de lire, désolé, mais... Voilà, donc j'ai terminé la mission, mais on va vérifier. Logiquement, il n'y a plus rien. C'est bon, on retourne à l'agence. Ah, ouais ! 5. Survécu. Mais alors, ils sont drôlement blessés, hein. Du pognon ! Regardez tout ce que j'ai ramassé avec un truc, hein. Waouh! Nouvelle compétence maîtrisée. Mission tuer la cible terminée avec succès. C'est un plaisir de vous rencontrer, directeur. Je me présente, on m'appelle le diplomate. Je suis un agent du gouvernement qu'on a envoyé sur la ville du conglomérat pour vous aider à garder l'œil sur vous. De temps en temps, je vous demanderai d'expédier quelques difficultés. Vous ne vous ferez pas prier, j'imagine. Merci pour votre attention, directeur. Bonne journée. Salopio. Bam. D'accord. Ok. Bon, lui, il est intoxiqué, donc... On peut le... soigner. Donc c'est ici qu'on peut changer le matos. Vous pouvez mettre à jour à niveau les armes, le bouclier de combat, le cipher deck de chaque agent. Cette mise à niveau n'est pas encore disponible, vous devez rechercher le cybernétique, d'accord. Ah oui, d'accord, il faut 10 000 de tech. Alors on va faire une recherche en guérison. Voilà. Nouveau domaine de recherche complété. Premier réservoir de régénération déverrouillé. Vous pouvez maintenant soigner les blessures de vos agents. Super. La suite. C'est beaucoup plus compliqué. Alors par contre, vous voyez, voilà, j'ai déjà quelques recherches disponibles en clonage, mais pas ni en guérison, ni en entraînement, ni en recherche militaire. Et le cybernétique coûte trop cher. Mais c'est pas mal ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait rechercher par exemple? Nouvelle mutation. ADN activant un nouvel instinct dans votre clone. Résistance à l'effet de radiation. Pas mal. Activant un nouvel instinct. Hein. Dégâts de base plus 10. Résistance à l'effet de choc. Celui-là il vaut le coup. Mais ça coûte cher. Donc on va être patient. Et là je vais essayer d'aller voir le centre de santé pour voir si je peux... Voilà. Temps de régénération une semaine. Aïe. Ah, c'est pas bon ça. Et je peux pas cloner de nouvelles personnes. Si ? Ah si ! Mais attends, c'est qui est blessé ? Un soldat qui est blessé. Enfin, il sait pas qu'il est blessé, mais il a quand même pas mal de douleurs. Et il est surtout intoxiqué, donc... Mais pourquoi tu me le sélectionnes pas ? Ah, mais vous pouvez pas le dire, hein ! Donc c'est un soldat qu'il faut que je refasse. Et donc là, je vais changer. On va mettre
incendier d'abord. Le tir unique, il est pas mal. L'étourdissement, un peu moins. Voilà, tir unique. Donc l'origine... Non. On met la barrière. Les premiers soins. Ouais. Bon les amis, je vais en arrêter là donc pour aujourd'hui sur Conglomerate 451, un super jeu. Si vous aimez les dungeon crawlers, si vous aimez le cyberpunk, c'est vraiment un super jeu. À mon avis, il va pas être si facile, mais moi il me plaît beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est un super univers, les musiques sont bien, les designs sont bien. Le système de combat est très classique, mais en même temps il est très bien fait. C'est pas un reproche, mais... Trois membres d'équipage, trois membres dans l'escouade, c'est un peu juste. Et moi, je suis habitué à en avoir quatre. Hein. Dans la plupart des jeux, on en a quatre, par exemple, dans Starcrawlers. Donc, je vous invite réellement à jeter un œil à Starcrawlers. C'était malheureusement un jeu réservé aux anglophones. Mais pareil, il y avait aussi un aspect, puis il y avait une histoire qui était Maus Costo. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas pu le traduire, parce qu'il y avait trop de possibilités et trop de textes. Mais j'aime vraiment beaucoup... Simplement, voilà, la secrétaire, c'est vraiment très sympathique. Et donc, vous voyez, voilà, je vais continuer à faire d'autres missions. C'est uniquement à la prochaine mission, lorsque j'aurai passé niveau 10, que j'aurai accès aux autres. Et cette barrière de 75 semaines est intéressante, hein, parce que si vous ratez une mission, à mon avis, voilà, là, je viens d'avoir un blessé. Donc, pendant une semaine, j'ai plus que 3 équipiers. Donc, il va falloir gérer, gagner le plus d'argent possible, etc., etc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, amis, je vous joue beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à bientôt dans la suite. Salut, bye bye.